Très chers bénéficiaires du projet Tokolisa, c'est avec une immense gratitude que je prends la parole aujourd'hui pour exprimer nos sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès du deuxième lancement du programme Tokolisa. Ce programme dédié à la lutte contre la pauvreté joue un rôle essentiel en soutenant les activités génératrices de revenus des petits commerçants dans les marchés d'Omagno. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique et la Formation qualifiante et de l'Emploi pour son engagement indéfectible en faveur de la jeunesse et de l'emploi. Votre soutien est primordial pour la réalisation de nos objectifs. Un remerciement tout particulier au directeur général du FONEA pour son appui décisif, sans lequel ce deuxième lancement du programme Tokolisa n'aurait pas été possible. Votre confiance et votre soutien nous ont permis d'élargir notre action et d'envisager un avenir meilleur pour de nombreux commerçants. Nous saluons également les efforts inlassables du gouvernement et du chef de l'État, Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, qui a décrété l'année 2024 comme l'année de la jeunesse. Cette initiative témoigne de l'importance accordée à la jeunesse congolaise et à son rôle crucial dans le développement de notre pays. L'Association des Jeunes Unis pour le Développement Social, par sa détermination à aider la population congolaise, a su faire bénéficier du premier tour du programme Tokolisa à un nombre considérable de 50 commerçants dont les activités ont prospéré. Aujourd'hui, nous avons doublé ce nombre pour toucher un plus grand nombre de ménages et impacter positivement leur quotidien. Notre vision est de nous étendre sur tout le territoire congolais, dans tous les départements. Nous souhaitons que notre partenaire de confiance, le FONEA, ainsi que d'autres partenaires, continuent de nous accompagner pour pérenniser les activités génératrices de revenus de nos mamans dans les marchés d'Omagno. Outre notre action de lutte contre la pauvreté, conforme à l'objectif de développement durable, ODD1, la GIDES intervient également sur l'ODD4, concernant l'éducation, en offrant des formations gratuites, des stages et en facilitant l'insertion des jeunes. Nous croyons fermement que l'éducation et l'emploi sont les piliers essentiels
pour un développement durable et inclusif. En conclusion, je tiens à remercier une fois de plus tous les acteurs impliqués dans cette noble cause. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour notre jeunesse et notre pays. Merci de votre attention. Était une bouffée d'oxygène pour nous et nos familles. Et nous tenons à exprimer notre sincère remerciement pour le soutien inestimable apporté à nos activités génératrices de revenus dans les marchés. Nous remercions tout d'abord, l'Association des jeunes unis pour le développement social, AJDES, pour leur engagement indéfectible à réduire la pauvreté et à améliorer l'éducation en République du Congo. Votre travail est un phare d'espoir et d'inspiration pour nous tous. À tous les partenaires, donateurs et volontaires qui ont cru en nous et en notre potentiel, nous vous disons merci. Votre générosité et votre soutien ont permis de transformer nos rêves en réalité concrète. Grâce à vous, nous avons pu lancer et développer nos petites entreprises, offrant ainsi à un avenir meilleur et nos familles et contribuant au dynamisme économique de nos marchés locaux. Nous souhaitons également remercier les formateurs et les mentors qui nous ont accompagnés tout au long de ce parcours. Vos conseils avisés, votre soutien constant ont été essentiels pour nous, pour notre réussite. Vous avez non seulement partagé vos connaissances et votre expertise, mais aussi encouragé notre détermination et renforcé notre confiance en nous-mêmes. Chers membres de la communauté, nous ne pouvons oublier de vous exprimer notre gratitude. Votre solidarité et votre soutien moral ont été des piliers sur lesquels nous sommes appuyés. Ensemble, nous avons démontré que l'union fait la force et que c'est en travaillant main dans la main que nous parviendrons à construire un avenir prospère pour tous. Enfin, à tous ceux qui continuent à œuvrer pour le succès du programme Tokolisa, nous vous disons merci. Votre dévouement et votre travail acharné font une différence tangible dans nos vies. Nous nous promettons de continuer à travailler dur, à innover et à prospérer en honorant
l'opportunité qui nous a été donnée. Il s'agit de la cérémonie de remise des prix. En fait, nous disons prix parce que nous ne voulons pas parler de remise de crédit. Le FONEA n'a pas vocation à faire des crédits. Le FONEA est là pour appuyer des initiateurs ou des initiatives visant à améliorer les conditions de vie, de façon générale, de nos populations. En termes d'activités génératrices de revenus, il n'y a pas mieux que dans les marchés, nous trouvons un vivier. Donc on avait initié ça il y a 2 ans, ce programme-là, sur l'instruction de notre directeur général, qui a pensé qu'il fallait qu'on aille dans des milieux là où il y a une forte précarité, et là où nous sentons qu'il y a l'initiative, il y a des gens qui ont la volonté et qui sont déterminés à vouloir améliorer leur vie. Et nous pensons qu'ici, nous avons des mamans qui sont déterminées, mais malgré ça, il y a peu de moyens. Et ils ne demandent pas grand-chose. Alors donc, dès que nous avons identifié ça, détecté ça, nous avons dit on va là-bas pour les aider encore à amplifier le peu d'activités, le peu de ressources pour améliorer leur vie pour elles-mêmes d'abord, ces moments-là, et puis leurs familles respectives. Oui, la hauteur, le montant qu'on donne, ce n'est pas le FONEA qui regarde ça. Le FONEA appuie la JUDES, c'est une association qui est là, qui est spécialisée, parce que nous avons d'abord regardé ce que cette association-là réalise. Ils ont plusieurs formes, ils ont plusieurs outils. Alors nous avons dit, bon voilà, nous avons choisi parmi plusieurs, nous avons dit, vous allez vers les mamans, vous leur donnez, n'est-ce pas, cette contribution de l'État qui passe par le FONEA pour les aider à améliorer leur train de vie et puis leurs activités surtout. Donc nous venons, on passe par la JDS qui choisit à partir des critères que la JDS a définis, suivant seulement l'objectif d'atteindre ces moments-là, sans trop de contraintes, pour leur permettre d'améliorer leur trésorerie, d'améliorer leur fonds de commerce. Ça leur permet de renforcer, voilà, il faut dire, de renforcer, parce qu'ils ont commencé avant nous, de renforcer leur fonds de commerce. C'est ça, c'est ce qui nous concerne. Et nous venons quelque temps après l'impact, voir comment est-ce que ces moments-là ont agrandi leurs activités et tout, passant d'un sac de riz à 2 à 5, passant de 5, un bidon de 25 litres à 2 bidons, passant d'un sac de foufou à 2 sacs. Voilà, c'est ça que nous voulons. Mais il fallait détecter, identifier un partenaire qui est déjà dans cette affaire, s'il faut le dire, entre griffes, qui mène les activités dans ce sens, et nous rassurer aussi de la quiétude et de la paix. Ce sont les éléments pour nous qui sont essentiels. Et nous avons vu en cette association, et nous avons observé que cette association avait des jeunes qui sont très dynamiques, mais aussi qui avaient aussi ces soucis-là. Et les outils qu'ils utilisent pour aller vers ces moments-là, pour faire passer leurs activités, ces outils-là sont des outils simplifiés, qui n'ont pas trop de contraintes. Et nous sommes rassurés en se disant que voilà, là, on aura la paix, on aura la quiétude, mais nous sommes aussi sûrs que l'appui de l'État va arriver aux bénéficiaires. Voilà, nous cherchons, nous sommes toujours, c'est pas fermé, c'est un grand programme, un vaste programme qui doit s'étendre sur toutes les tenues du territoire national. Et ce qui cherche du financement, de passer au FONEA, ce n'est pas pour prendre le financement, attention, c'est pour venir mieux organiser leur idée d'entreprise, quelle que soit la taille. Donc, passer au FONEA pour vouloir améliorer ça, donc, la conception qu'ils auront de leur activité génératrice de revenus, quelle que soit la taille. Le FONEA va les aider à faire ça, soit sur, tel que nous sommes en train de dire, avec ses partenaires, soit avec les programmes directs du FONEA. Par exemple, nous avons un programme qui est là, qui s'occupe d'appuyer ceux qui ont des idées de projets. Hein, nous appelons ça DPE. Donc ça dépend de la taille. Ils peuvent venir là-bas s'inscrire et nous allons les coacher, les amener à mieux saisir
les éléments essentiels de leur projet, quelle que soit la taille. Et après cela, nous allons les envoyer vers nos partenaires qui s'occupent du financement de ce projet. Voilà, ça, ils peuvent compter sur nous. Merci.